Alléluia. Bonsoir à tous. Ouais, comme le frère l'a dit, je m'appelle Chetel. Je suis jeune. C'est vrai, je suis jeune. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et ce que je réalise, c'est que tout ce qui se fait, Jésus n'est pas en dehors. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, il y a certainement des personnes qui se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on revient toujours sur le nom de Jésus? Parce que c'est le point central. C'est la base même de tout ce qui se fait, Jésus. C'est la raison de ce qui se fait, Jésus-Christ de Nazareth. En fait, je ne viens pas vous parler de moi. Je ne viens pas vous parler de ma personne. Parce que moi, personnellement, je ne peux vous édifier en rien. Ma personne ne peut rien vous apporter. Mais je vais vous parler de l'œuvre que quelqu'un accomplit dans ma vie. En fait, lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, c'est quelque chose de très fort et de très puissant. C'est quelque chose de... On ne peut pas comparer l'œuvre de la croix, ce qui s'est passé sur le bois de Golgotha, à Jésus-Christ de Nazareth accompli une œuvre parfaite. Elle est parfaite, l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi certainement il y a des personnes ici présentes qui n'ont pas désiré d'être là, mais qui se posent la question de savoir comment est-ce que je me suis retrouvé là. Parce que Jésus avait décrété depuis son trône que tu devais être là. Parce qu'il avait rendez-vous avec toi. Voilà pourquoi j'aimerais parler de la personne de Jésus. Parler de ce que Jésus a pu faire. Parce qu'il est puissant. Jésus est puissant. Et l'une des choses que j'aime parler, c'est de la puissance de ce Dieu. La puissance de cet homme. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est tellement puissant et ça résonne vraiment dans ma vie. La puissance de Jésus. Amen. Alors, je suis un jeune, comme je vous l'ai dit. Je grandis particulièrement dans l'Otogoué. Et comme tout autre jeune, esclave de la rue, je l'ai été une fois également. J'ai été une fois esclave de la rue. J'ai été une fois esclave. J'ai été une fois esclave de la rue et j'ai connu ce que c'est la rue. J'ai connu ce que c'est la rue. Non pas tellement en profondeur. Je n'ai pas été le délinquant le plus... Je n'ai pas été au sommet de la délinquance. Mais je connais quelque chose de la délinquance. Je connais quelque chose de la rue. Et je sais ce que la rue produit comme fruit. Je connais ce que la rue produit. Alors pour ma petite histoire, c'est pour papa à l'école, ça n'a pas été comme d'autres personnes. Par la grâce de Dieu, je me suis arrêté en cinquième. Mais à cause de la délinquance, à cause des amis. Parce que là, en fait, la rue a été pour moi une famille. Je préférais la rue que mes propres frères de la maison. Je préférais mes camarades, c'est-à-dire les amis de la rue, que mes propres parents. Parce que je me plaisais au milieu d'eux. Parce qu'au milieu d'eux, en fait, j'avais cette réjouissance. Le tabac, la cigarette, l'alcool, le braquage, le vol. Je pouvais exprimer ce que je savais faire. Parce que la rue m'avait enseigné. Et la rue était ancrée dans ma vie. Elle était vraiment assise en moi. La rue m'avait vraiment bâti. La rue avait bâti en moi quelque chose de fort. Quelque chose de difficile à ébranler. Quelque chose de difficile à ébranler. Que moi, personnellement, je savais que ce n'était pas bien. Mais j'étais incapable de pouvoir m'en sortir. C'était une forteresse. La rue était dans ma conscience. La rue était dans mes membres. La rue était ma vie. Et ce soir, je crois que la rue va quitter les corps. Ce démon qui travaille dans la rue va quitter les corps parce que Jésus est puissant. Jésus est puissant. Physiquement, actuellement, je me sens faible. Mais sans vous cacher, je ne cesse de me rendre compte que, au fur et à mesure que je parle, j'ai une force qui me vient. J'ai une force. Je suis comme rempli de parler de Jésus. Parce que Jésus est puissant. Alors, j'ai marché dans la rue pratiquement 7 à 8 ans dans la rue.
Je fumais le tabac. J'étais investi dans la vente du chanvre. Je connaissais comment il fallait faire les inventaires. Je connaissais comment il fallait emballer. Je connaissais tous ces rouages. Je connaissais la rue. Et en marchant, le temps passait, j'ai quitté le monde de l'école, notamment à cause du civisme, à cause des amis, à cause de la passion que j'avais pour la rue également. Parce que je voulais également, être quelqu'un dans la rue. Parce que dans la rue, le principe de la rue, c'est que c'est celui qui est mieux habillé, qui a plus de succès, qui a plus de respect. C'est celui qui a plus de bijoux, qui a plus de succès, qui a plus de respect. Et moi, personnellement, j'aimais le respect. J'aimais le respect. Oh, j'aimais qu'on me respectait. J'aimais qu'on m'appelait Grand Nashby. Oui, parce que j'aimais ça. C'était en moi. J'aimais qu'on m'appelait Grand. Parce que c'était des honneurs pour moi. Voilà pourquoi, je m'investissais tellement dans la rue. Et je me suis tellement investi dans la rue. De manière à ce que je me suis véritablement fait une personnalité dans la rue. C'est-à-dire que je ne pouvais pas passer dans une ruelle de Mwanda sans pour autant être salué. Et c'était pour moi une gloire. C'était une gloire pour moi. J'avais l'approbation des jeunes de ma génération et de tous ceux qui avaient apparemment le même âge que moi, qui étaient également dans la vente. J'étais parmi les meilleurs dealers, les meilleurs trafiquants de drogue. J'étais parmi les meilleurs. Par jour, je pouvais marcher avec 90 bottes. Et dans une sacoche, j'avais moins 90 bottes de chanvre dans ma sacoche. Et je marchais, je vendais. Et je voyais combien de fois la rue remportait. Est-ce que vous voyez un peu? Et en marchant, j'ai vu plusieurs signes. Plusieurs signes que je ne comprenais pas. Plusieurs signes. Et au fur et à mesure que le temps passait, notamment, vraiment ma personnalité prenait de l'ampleur. Dans les bagages, je n'avais peur de personne. Et l'une des choses que je demandais à Dieu, c'était... En fait, que je reprochais à Dieu, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas eu cette... Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu, un gabarit, je ne sais pas, comme un peu les Américains, un homme de très grande taille, de très, très costaud. C'est comme ça que moi, j'ai caricaturé ma personnalité. Et mentalement, j'étais comme ça. Mais physiquement, comme vous me voyez, petit détail. Mais ça n'a pas été pour moi un obstacle. Ça n'a pas été pour moi un obstacle. Parce que personnellement, je savais que la rue avait pris une place dans ma vie. Oui, frère. Et je marchais comme ça dans la rue. Je marchais sans crainte. Peu importe ta caricature, peu importe ta personnalité, peu importe ta taille, tu ne pouvais pas m'ébranler. Même si je savais que tu pouvais me... Même si je savais qu'un seul de ton coup de poing pouvait m'anéantir, mais je ne pouvais pas reculer. Parce que c'est ce que la rue avait bâti en moi. C'est ce qu'elle avait bâti en moi. Et un jour, Dieu fait bien les choses. Pendant une bagarre de rue, et voilà, c'est parce que j'aimais vraiment les objets. Bouteilles cassées, poignards, j'aimais tellement, j'aimais ça. Voilà, j'étais très futé dans ça. Je savais comment les manier, les armes blanches. Et pendant une bagarre de rue, voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des personnes que dans la bagarre, qui sont allées dans le coma et les problèmes sont retombés sur ma famille. Et après, j'ai quitté la ville, je suis allé dans une autre ville. Et retour, après peut-être une semaine, en revenant, c'est mon ami le plus proche avec qui je marchais, qui me dit... Il faut que tu deviennes quelqu'un. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. C'était un langage étranger à ma personnalité. C'était un langage étranger à moi. C'était vraiment étranger. Bon, devenir une nouvelle personne, quitter la ville, aller au milieu des personnes qui ne me connaissent pas et mener une autre vie. En fait, voilà. C'était vraiment plus trop m'afficher dans la rue, mais voilà, quitter la ville. C'est comme ça que je comprenais devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Mais lui également, il était païen. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis rassuré que ce n'était pas lui qui avait parlé. Ce n'était pas mon ami qui avait parlé. En fait, il ne pouvait pas avoir cette pensée. Et cette pensée ne venait pas de lui. Et voilà, la rue, l'orgueil et console. Voilà, je continuais la marche.
Je continue la marche, je continue la marche, je continue la marche dans la délinquance de s'amplifier dans ma vie. C'était la débauche à outrance, les filles, voilà, et l'une des choses que je savais très bien faire également, c'était le vol. Non, je ne cassais pas les maisons des gens. Voilà, tellement j'étais orgueilleux, j'étais vraiment orgueilleux. J'étais vraiment orgueilleux. Et c'est l'une des choses qui a fait ma personnalité dans la rue, l'orgueil. Parce que j'aimais bien les face-à-face avec les hommes. C'est-à-dire que si quelqu'un, en fait, se croyait être rusé, moi, personnellement, je me montrais que j'étais plus rusé que lui. C'est-à-dire que je te fais face et je te soutiens ce qui est dans tes poches sans pour autant te brutaliser. Je connaissais très bien le faire. Et les jeunes appellent ça le deux doigts. En d'autres termes, on appelle ça le para. Est-ce que vous voyez un peu? Prendre quelque chose dans la poche de quelqu'un sans pour autant qu'il ne s'en aperçoive. Voilà, je connaissais très bien le faire. Très bien le faire. Et je savais à quel moment le faire. Et un jour, pendant que je passais des moments difficiles dans la rue également, je me suis rendu sur la place publique au marché. Vraiment, j'avais besoin d'argent. J'avais vraiment besoin d'argent. Et l'une des choses que je n'aimais pas, c'était être bad, d'être fauché. Parce que un vrai gangster ne reste pas fauché. C'est pas possible. Un vrai gangster ne reste pas fauché. Parce qu'il faut qu'il confirme. Est-ce que vous voyez un peu? Et en me rendant au marché, voilà le temps menacé, et voilà un monsieur et deux femmes qui se pointent à mes côtés. Et comme le temps menacé, et en fait tout le monde se pressait à prendre le taxi, à emprunter le taxi. Tout le monde voulait prendre le taxi. Et le monsieur qui était avec moi, en fait, il avait un genre de vêtement avec des grandes poches. Et je savais qu'il avait quelque chose dans sa poche. Il avait quelque chose dans sa poche. Et dès qu'il a pris le taxi avec beaucoup de bousculade, je l'ai soutiré ce qui était dans sa poche. Et je l'ai mis dans ma poche. Et lorsque je me suis retourné pour rentrer à la maison, j'étais vraiment content de l'avoir fait. Parce qu'il savait que maintenant j'ai quelque chose et que le soir je pourrais sortir. Et en marchant, en partant à la maison, quand je fouille ma poche, je ressors un objet qui ressemble à ça. Tout de suite, je ne comprenais pas. En fait, je suis rentré dans une crise de colère. Je me suis mis vraiment en colère. Mais comment je cherche l'argent? Et c'est une Bible que je prends. Parce que pour moi, c'était un portefeuille garni. C'était un portefeuille garni que j'avais pris. Mais je me rends compte que c'est un Nouveau Testament. Et avec la colère, je voulais jeter. Avec la colère, je voulais jeter. Mais soudainement, une pensée m'est venue. Que ça, en fait, je pensais que, il se peut que cet homme était chrétien et il lisait sa Bible. Si je jette, certainement Dieu sera contre moi. Alors je vais la garder. Et j'ai gardé cette Bible. Je n'avais jamais lu ça. Je n'avais jamais lu, mais c'était toujours à la maison. Et je marchais toujours. Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme si ma vie se resserrait. C'est comme si on resserrait le chemin. C'est comme si au fur et à mesure que j'avançais, le chemin devenait plus petit, plus étroit. Il était pour moi difficile, en fait. Ce que je faisais facilement et rapidement devenait pour moi difficile. Et je voyais comment l'approbation que j'avais à l'égard des hommes nécessitait de s'ébranler. Ma personnalité s'ébranlait et je ne comprenais pas. Et le temps passait également, le temps passait et j'étais vraiment tombé dans un moment de crise, c'était vraiment la crise. Même dans ma vente, j'étais vraiment ruiné. Et le temps passait, voilà, les petits business ici et là. Et un jour, parce que le principe de la rue, c'est que il ne faudrait pas que quelqu'un prenne le dessus sur toi. C'est ça. Il faut que tu sois au dessus. Et un jour, voilà, un jeune également, il est rentré dans notre ruelle, là où on dirigeait. Et en fait, il est venu imposer sa loi. Il était venu imposer sa loi. Mais moi, je m'appelais Nashbi. J'avais respect pour ce surnom. Je vous assure, j'avais respect de la manière qu'on m'appelait Nashbi. Le grand Nashbi. C'est comme ça qu'on m'appelait. J'avais respect pour mon surnom et pour ma personnalité. Et je refusais quiconque venait fouler au pied sur ce nom.
Est-ce que vous voyez un peu? Et personnellement, j'ai décidé de faire face à ce jeûne. Mais c'est en fait une erreur. Une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont passées après. Et le temps a passé. Et un jour, en sortant de la maison, comme d'autres jours, je sors de la maison, je fume. Après, on se retrouve à un endroit avec les amis. On discute. Voilà. On discute des choses de la vie. On discute. Et voici, le jeûne se pointe. Le jeune se pointe et là, il commence à nous faire des menaces verbales. Des menaces. Je ne veux plus vous voir ici. Voilà, je ne veux plus vous voir ici. Vous ne pouvez plus vendre ici. Alors, personnellement, moi, je sais que c'est ma ruelle. Et je ne peux pas accepter ça. Et dès qu'il a tourné le dos, un ami a fait une blague. Et on s'est mis à rire. Et sur moi, j'avais un poignard. Un ami a fait une blague. En faisant la blague, on s'est tous mis à rire. En riant et... Voilà, il s'est retourné. Pour lui, c'était qu'on se moquait de lui. Et il est revenu. Dès qu'il est revenu, bizarrement, j'étais sa cible. Et comme personnellement, dans les bagages, je n'aimais pas trop me fatiguer. Parce que je connaissais très bien manier les objets. Je les maniais très bien. Et j'ai sorti le poignard que j'avais, je l'ai planté, en fait, dans la poitrine. Et après, je suis parti de là. Nous sommes partis de là. Quelques temps après, on nous appelle pour nous annoncer que le jeune homme est décédé. Waouh! C'était en fait, je ne sais pas, quelqu'un a déjà eu un vertige qui lui prend et qui lui propulse au sol. C'est-à-dire, soudainement, tu marches, voilà, un vertige te prend et tu tombes. Et là, soudainement, c'est comme si le ciel s'obscurcit. Le ciel s'est obscurci sur moi. Et c'est comme si tout devenait lourd. J'ai perdu toutes mes forces. Mon orgueil est tombé ce jour. Ma personnalité, je l'ai oubliée pour un ce jour. Et c'est la pensée qui m'est venue, c'est que j'ai commis le péché le plus grave qui puisse exister. Waouh! Et ce qui est vrai, c'est que il y avait forcément des ennuis qui devaient arriver. Avec les amis, on a pris la route, on a quitté la ville. Voilà, même le transport, on ne l'a pas payé. C'était toujours voilà, dans la ruse, voilà, toujours la fourberie. Voilà. Et en arrivant ici, on parle de la ville de Mwanda. On arrive ici. Et quand on arrive, on était trois. Et il y a un à la gare, sa grande soeur vient lui prendre et il part avec elle. Et on reste à deux avec un ami. Personnellement, je suis en fait étranger à Libreville, je ne connais personne. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas à qui en fait me confier. Et je suis perdu. C'est comme si on te prend aujourd'hui, voilà, on t'amène au Brésil, à Rio de Janeiro, et on te dit, voilà, débrouille-toi. J'étais comme dans un puzzle, je ne savais pas où aller. Et l'ami avec qui j'étais, il se lamentait tellement, on était allé chez ses parents, comme il avait des parents, Et depuis ici, ils avaient appris la nouvelle et il a reçu des menaces auprès de ses parents. Et il est venu me dire, non, s'il te plaît, vraiment là, ma famille est embêtée, vraiment, je ne sais pas qui c'est qu'il faut faire. Et je lui ai dit personnellement que ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais te libérer et je vais simplement me rendre. Il a dit d'accord. Et je suis allé vers ses parents et je les ai expliqué l'histoire, comment ça s'est passé. Et je les ai dit, en fait, c'est moi le problème. C'est moi qui suis à la cause. C'est moi qui suis à la source. C'est moi qui porte les responsabilités. Et comme ça, après, dans la soirée, on a eu à m'incarcérer. Et pendant ce temps, j'ai fait pratiquement 5 jours. 5 jours incarcérés. Et le sixième jour, le troisième jour, dans la cellule, voilà un jeune également qu'on incarcère pour un problème de téléphone. Il arrive et dans la soirée, il se met à prier. Il prie, mais pendant qu'il priait, j'avais ce fort désir d'aller le rejoindre et prier. Mais le problème, c'est que j'étais un orgueilleux, c'est-à-dire que je n'arrivais même pas à me soumettre devant Dieu. En fait, je n'arrivais même pas à demander en fait l'aide à Dieu à cause de mon orgueil. Parce que j'avais une personnalité à respecter et à faire respecter. Le quatrième jour, un autre jeune également a été incarcéré. Et dans la soirée, ce jeune-là se retrouve avec
le précédent qui priait, et ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils priaient, à cause de ceux qui étaient là, j'étais comme bloqué sur ma chaise, que non, je ne peux pas partir. Mais c'est comme si on m'a soulevé. Mes pieds, c'est-à-dire que j'ai marché indépendamment de ma volonté. Je suis quitté de ma chaise, je n'ai rien compris. Et je me suis retrouvé à la salle, j'ai commencé à prier. Et ce jour, on s'est attrapé dans la prière. On s'est attrapé et je ne savais pas déjà prier parce que je ne savais plus parler français. Mon langage c'était l'argot. Je savais bien parler comme je savais bien parler argot. Je ne savais plus parler en français normalement. Voilà. J'étais tellement formaté, tellement voilà. La rue était vraiment ancrée dans ma vie. C'était vraiment la rue. Dès que j'ouvre la bouche, je dis non, ça c'est un délinquant. Dès que tu me vois à distance, tu dis ça c'est un délinquant. Celui-là c'est un bandit. C'est pas possible que tu m'ignores. Dès que tu me vois, tout de suite, tu dis ça c'est un délinquant. Ça c'est un braqueur. Parce que la rue m'avait formé. La rue m'avait fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et pendant qu'on était attrapé pour prier, c'est la première fois que je pleure devant les hommes. Bon, disons, c'est vrai, j'ai eu à pleurer devant mes parents parce qu'on m'a tapé dessus, parce que parfois j'ai vécu des injustices, pleuré. Mais maintenant, voilà, sans rien, que personne ne te tape, voilà. Et j'ai juste sorti une phrase et j'ai dit, Seigneur, je veux, au-delà de tout ce que j'ai pu faire, au-delà de tout ce que j'ai pu commettre, je n'attends qu'une seule chose de toi. Je veux une seule chose de toi. Peu importe ce que je veux vivre après. Peu importe ce que je veux rencontrer après. Peu importe le nombre de prisons, le nombre d'années que je fais en prison. Ça, ce n'est pas un problème. Mais j'attends une seule chose de toi. C'est que tu m'accordes ton pardon. C'est que tu m'accordes ton pardon. Et ce jour, j'ai pleuré à chaudes larmes. Non pas parce que j'avais peur, non. Parce qu'en fait, le sentiment qui était en moi, c'est que j'avais trop péché. J'étais une mauvaise personne. Voilà pourquoi j'ai pleuré. Et c'est difficile de vous expliquer ce que je ressentais. J'ai pleuré comme un gamin. Je vous assure. Si mes amis étaient là, vraiment, s'ils voyaient ça, ils devaient se moquer de moi. J'ai pleuré. Je n'ai pas prié longuement. C'est juste la phrase que j'ai sortie. Et la seule chose que j'attendais de Dieu, c'était son pardon. Et le sixième jour, quand on se revêt, aux environs de 15 heures, tout ce qui était avec moi, bizarrement, j'ai eu la certitude. Je me suis levé avec un ton rassurant. Tous, je les ai dit, que aujourd'hui, je pars. Certains n'ont pas compris, mais je les ai dit, aujourd'hui, je serai libéré. Et aux environs de 16 heures, voilà, un monsieur ouvre la cellule et il me demande de lui rendre un service. À la fin, il me demande de prendre mes vêtements et de partir. J'ai pris mes vêtements. Il m'a demandé, c'est qui ton enquêteur? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, prends tes vêtements, pars. Et j'ai pris mes vêtements et je suis parti. Et quand je sors, où est-ce que je vais partir? Où est-ce que je vais aller? Je ne connais pas. Où est-ce que je vais partir? Et j'ai erré pendant pratiquement une semaine. Comme ça, je dormais à la belle étoile. Et je reconnaissais véritablement que tout ce qui m'arrivait, en fait, c'était à cause de moi. Est-ce que vous voyez un peu? Et en quelque sorte, j'avais perdu la confiance à l'égard de mes parents. Pour moi, c'est que mes parents m'avaient rejeté. C'est pas possible de garder un fils comme ça. Un fils qui apporte la honte à la maison. Un fils qui est la honte de la famille. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il a abandonné l'école. Qu'est-ce qui sera, enfin, en quoi sera-t-il utile à la famille? Est-ce que vous voyez un peu? Et je marchais comme ça. Et Dieu a fait grâce. Je dis, Dieu a fait grâce. Parce que je crois que si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce que je rencontre un ami et après, je me retrouve dans un atelier de soudure et je commence à apprendre le métier.
en apprenant le métier, mon cœur, en fait, c'est comme si j'ai été divisé en deux. Divisé en deux, une partie de moi a été, en fait, séparée de moi. J'étais toujours païen. Hein? Au-delà de la prière que j'ai eu à faire, j'étais encore païen. Mais c'est bizarre, j'avais, en fait, je n'aimais plus les endroits chauds. Je n'aimais plus les endroits où, voilà, ça casse les bouteilles, où ça crie fort, où il y a trop de volume, où il y a trop de bagarres, où il y a trop, voilà. Je n'aimais plus ces endroits, je n'aimais plus les bagarres. Et j'avais fait un soir à Dieu, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je vais lever ma main contre quelqu'un, plus jamais. Plus jamais je vais lever ma main contre quelqu'un, disons en termes de bagarre, plus jamais. Et le temps a passé, par la grâce de Dieu, une dame m'a conduit dans une assemblée, et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai donné mon cœur véritablement à Jésus. Et je me rappelle que lorsque j'allais sur mon assemblée, quand je dis que j'étais encore païen, c'est parce que mon cœur était attaché encore au monde. J'étais encore païen et je n'avais pas connu encore la nouvelle naissance. Mon cœur était encore attaché au monde. Et il y a un jour, le temps a passé, après je suis parti de l'assemblée, Dieu a permis que je me rencontre avec d'autres frères, et un jour, un frère prêchait l'évangile, et à la fin, la personne a demandé, quels sont ceux-là qui veulent accepter le Seigneur? Je me suis levé, je suis allé, ils ont prié pour nous. À la fin de ça, il y avait comme un attachement encore avec le monde. C'était pour moi difficile, en fait, de laisser tout ce que j'avais bâti. C'était pour moi difficile. Et pendant qu'on annonçait même le temps de baptême, c'était une lutte entre toi et moi. Pour moi, c'était que si je veux me faire baptiser, plus jamais je ne vais en fait avoir affaire avec le monde. Et c'était une lutte entre moi et ma chair. Et un jour, le jour que j'ai décidé d'aller prendre les eaux du baptême, en montant dans le taxi, et ce n'est pas parce que je suis allé me faire baptiser, mais je crois que c'est là où j'avais véritablement accepté le Seigneur. Parce qu'en empruntant le taxi, dans le taxi, j'ai dit plus jamais. C'était dans mon cœur, on était avec les frères. Mais bizarrement, je parlais en mon cœur que plus jamais, de même je pars comme ça me faire baptiser, plus jamais je ne remettrai les pieds dans le monde, plus jamais je n'aurai affaire au monde, plus jamais je ne me remettrai mes pieds dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue, plus jamais, comme ça le monde reste derrière moi. Et quelques temps après, un jour, j'appelle ma maman et je vous assure que Dieu m'a simplement prouvé qu'il m'aimait et qu'il m'a réconcilié avec ma famille. Quand j'appelle ma mère en fait, elle voulait me rappeler que, ah, quand je t'avais dit, j'ai dit non, s'il te plaît, ne parle plus de ça. Je suis devenu chrétien. Je suis devenu chrétien, aujourd'hui je suis une nouvelle personne. Est-ce que vous voyez un peu? Et Dieu m'a confirmé, lui-même il m'a confirmé que j'étais son fils. Parce qu'un jour pendant que je dors, très tôt à 6 heures, mon téléphone sonne et maman m'appelle pour me dire, j'ai failli faire l'accident, mais prie pour moi. Elle m'a dit, je n'ai appelé personne de tous tes frères, toutes tes soeurs, je n'ai encore appelé personne, mais prie pour moi. Je vous assure, oh, Dieu merveilleux. Cette requête qu'elle me fait, c'était pas tant prier pour elle qui m'importait, c'était de réaliser que, oh Seigneur, maintenant aujourd'hui, j'ai de l'importance à l'égard de ma mère. C'est-à-dire que Dieu a redonné à ma mère. En fait, j'ai retrouvé une place. C'est-à-dire que ma famille peut compter sur moi. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais je sais que ma famille peut m'appeler pour me dire, prie pour moi. Parce que Jésus a témoigné
que je suis son fils. Parce que Jésus a témoigné que je suis son fils. Parce que Jésus a témoigné que je suis son fils. Et lorsque je commençais à prier, je dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que même aujourd'hui, tu as confirmé à ma mère que je suis ton fils. Le langage de ma mère sur moi, tu es perdu. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu es perdu. Tu vas faire quoi? Un jour, ma mère, j'appelle ma maman et je passe, j'étais en route. Et voilà, il y a un bar qui... la musique dans le bar. Tu fais quoi au bar? Je dis non, je ne suis pas au bar. En fait, pour moi, c'est que tu es chrétien, tu ne peux plus être au bar. Je dis non, je suis en route en train de marcher, il y a le bar à côté. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu me témoigne par tous ces signes que je suis son fils. En fait, jusqu'à présent, je réalise que tout ce qui se fait, parce que Jésus a un doigt pointé sur chacune de nos personnes. Chacune de nos personnes, Dieu a un doigt pointé sur toi. Voilà pourquoi, avec certitude, si tu es là, peu importe ton grade dans la délinquance, peu importe le nombre de bottes de chanvre que tu as eu à fumer, peu importe ton grade dans la délinquance, je te dis ce soir, mon ami, Jésus-Christ de Nazareth, il brise toutes ces chaînes, il les renverse parce qu'il est puissant. Parce que Jésus est puissant. L'une des choses que je n'ai pas forcé à faire, frère, je n'ai pas forcé à ne pas fumer la cigarette. Je ne force pas. Ce n'est pas possible que je force. C'est-à-dire que la cigarette, pour moi, ce n'est pas possible que je force. C'est-à-dire que pour m'éloigner de ça, je ne force pas. Elle me dérange. Le chanvre me dérange. L'alcool me dérange. La violence m'effraie. Quand je vois un acte de violence, je m'éloigne parce que je sais que c'est très sur le respect. Parce que tu as les bijoux. Parce que tu fumes 15 cigarettes. Mais mon ami, j'aimerais te dire que toutes ces choses te conduisent en enfer. Je réalise que véritablement, c'est Dieu qui avait pris ce Nouveau Testament et qui me l'avait emprunté parce qu'il savait qu'un jour, je devais avoir une rencontre avec lui. Comme ce soir. Mon ami, tu as une rencontre avec le Seigneur. Ce soir est une rencontre avec Yeshua Mashiach. Tu as certainement longtemps entendu parler de son nom et tu l'as vulgarisé. Mais mon ami, tu l'as vulgarisé, c'est vrai. Mais bizarrement, tu es là assis. Bizarrement, tu es là assis. Non, pose-toi la question. Tu as vulgarisé le nom de Jésus, mais bizarrement, tu es là assis. Et tout ce qui se fait, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mets de côté ton orgueil. Mets de côté ton orgueil, ta personnalité. Mets de côté tout ce que tu as comme approbation. Mais sache que Jésus, ce soir, veut te délivrer de la puissance du péché, de la puissance de la délinquance, de la puissance de la rue. Parce que je sais aujourd'hui que la rue est une forteresse. La rue est un démon. Que Jésus va te dépouiller encore ce soir. La rue est un démon que Jésus va dépouiller ce soir. Oui, mon frère. Et souvent, quand j'essaie un peu de penser à mon passé, de me rappeler à mon passé, je me pose la question de tous ces délinquants qui ont marqué l'histoire. Notorious B.I.G.
à Marou Chakou. Ces hommes qui ont marqué l'histoire, mais où est-ce qu'ils sont? Où est Notorious Biadji? Où est Amaru Chakou? Où est Fantomas aujourd'hui? Où est Fantomas aujourd'hui? Où est Papi Tulio aujourd'hui, mes amis? Ces hommes n'ont pas eu cette grâce comme tu l'as aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est capable d'éterniser ton nom pour l'éternité, mon ami. On parlera de toi parce que lorsqu'on parle de Jésus, il fait partie de son royaume. Mes amis, Jésus-Christ de Nazareth est puissant. Si tu ne le crois pas, mon ami, si tu ne le crois pas, teste simplement. Essaye seulement. Essaye seulement. Tu es où? Tu es où? Essaye seulement. Si tu crois, tu ne crois pas que Jésus est capable de te délivrer, essaye seulement. Essaye. Tu as longtemps désiré arrêter la cigarette. Tu as longtemps pris les décisions d'arrêter l'alcool. Peut-être aussi un enfant de bien. Mais bizarrement, tu as été esclave. Mais s'il te plaît, essaye Jésus. S'il te plaît, ce soir, essaye Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui vas nous expliquer les résultats. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Que Jésus soit glorifié. Que le Christ soit élevé. Que le roi de gloire soit élevé ce soir. Et c'est ce qu'il a commencé qui puisse le parachever. Que Jésus puisse parachever ce qu'il a commencé. Amen.